Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un exercice extrait de l'Olympiade nationale du tronc commun du premier test de 2017. Donc la première question est vérifier que AX plus B sur X est supérieur ou égal à 2 racines AB où A, B et X sont des réels strictement supérieurs à 0. La deuxième question est montrer que X, Y sur Z plus Y, Z sur X plus zx sur y est supérieur ou égal à x plus y plus z où x, y et z sont des réels strictement supérieurs à 0. Puis étudier le cas d'égalité. Donc passons à voir une solution proposée. On se propose de faire la différence, ou bien d'étudier la différence des deux côtés. On a ax plus bx moins 2 racine de ab est égal à racine de ax le tout au carré plus racine de b sur x le tout au carré moins 2 racine de ax fois racine de b sur x puisque tout est positif. Mais cette différence vaut exactement racine de ax moins racine de bx le tout au carré qui est bien sûr positif puisque un carré est toujours positif. Donc la deuxième question, on sait que x, y sur z plus y, z sur x sur z plus y fois z sur x, qui est encore égal à y fois x sur z plus y fois 1 sur x sur z. En notant t ce réel, on obtient yt plus y sur t, qui est d'après la première question supérieur ou égal à 2 racine de y au carré, qui est exactement égal à 2y. Donc de même, on obtient xy sur z plus yz sur x supérieur ou égal à 2y, d'après ce qui précède. Et yz sur x plus zx sur y d'une façon similaire est supérieur ou égal à 2z. Et zx sur y plus xy sur z est supérieur ou égal à 2x. Donc en sommant, on obtient 2xy sur z, yz sur x plus zx sur y supérieur ou égal à 2 facteur de x plus y plus z. D'où xy sur z plus yz sur x plus zx sur y est supérieur ou égal à x plus y plus z. Et ceci est l'inégalité souhaitée. Donc passons à l'étude du cas d'égalité. Pour le cas d'égalité, on sait que l'égalité a lieu si et seulement si on a l'égalité dans les trois inégalités utilisées. Dans les trois inégalités, x, y sur z plus y, z sur x supérieur ou égal à 2y et y, z sur x plus zx sur y supérieur ou égal à 2z et zx sur y plus xy sur z supérieur ou égal à 2x. Donc l'égalité dans cette inégalité a lieu si et seulement si on a xy sur z plus yz sur x égal à 2y. C'est-à-dire la racine de x, y sur z moins la racine de y, z sur x, le tout au carré, vaut 0. Ce qui équivaut à dire que x, y, z égale à y, z sur x. En simplifiant par y, on obtient alors x sur z est égal à z sur x.
D'où x carré est égal à z carré, finalement, puisque x et z sont positifs, alors x égale à z. Donc finalement, si l'égalité dans l'inégalité proposée a lieu, alors les trois réels x et y et z sont identiques. X, y égale à z. Alors x égale à y égale à z. Et réciproquement, si x égale y égale à z, l'égalité a lieu si seulement si x est égal à y est égal à z. À une prochaine.